السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا، ومرحبا بكل من انضم إلينا جديدا على هذه القناة. أنا اسمي حسناء وهذه قناة مون فرونسي لتعليم اللغة الفرنسية. على هذه القناة ستجدون العديد من الفيديوهات لتعليم اللغة الفرنسية بمختلف الطرق وبمستويات مختلفة. درس اليوم سيكون تابع لسلسلة القصص، تعلم الفرنسية عن طريق القصص، وقصتنا اليوم هي بعنوان Le nettoyage de la classe، تنظيف القسم. Le nettoyage de la classe. إذن كالعادة سأقرأ قراءة أولية سريعة، حاولوا أن تفهموا القصة من خلال هذه القراءة الأولى، والقراءة الثانية ستكون بطيئة ومع الشرح. Allez, c'est parti. Les élèves d'une classe ont décidé de nettoyer complètement leur classe. Ils ont d'abord blanchi les murs. Ce travail les amuse. Les murs étaient blanchis. Le lendemain, des équipes furent constituées. Chaque groupe avait sa spécialité. Je devins un personnage important. Je fus nommé chef des frotteurs. On procéda au lavage du sol. Une vingtaine d'élèves chargés d'énormes seaux allaient chercher de l'eau à une fontaine située à 50 pas de notre école. Le sol fut inondé. Je pris très au sérieux mon travail. Et pour donner l'exemple, je maniais avec énergie ma balayette. J'en avais mal aux reins. De temps à autre, je me redressais tout rouge. Les muscles des bras me faisaient mal. Dans l'eau jusqu'aux chevilles, pieds nus, bousculé par celui-ci, insulté par celui-là, j'étais heureux. Hey, « Hé, tu m'as donné un coup de coude dans l'œil. Fais attention, tu m'as mouillé jusqu'à la ceinture. Regarde Driss, il est tombé dans le seau. Ah ah, il va se noyer, il va se noyer. Frottez paresseux. » Paresseux toi-même, notre coin est plus propre que le tien. Avec des chiffons, nous essuyâmes partout. Le soir, je revins à la maison, mort de fatigue, mais très fier de ma journée. Devant mes parents, je me vantais de mes multiples exploits. Sans moi, aucun résultat sérieux n'aurait été obtenu. Mon père me félicita. Elle dit à ma mère que je devenais vraiment un homme. Je me mis au lit. Pendant mon sommeil, il m'arriva de m'asseoir dans mon lit, de hurler des ordres, de distribuer des injures. Ma mère me recouchait avec des gestes tendres, des phrases affectueuses. Les élèves d'une école ont décidé de nettoyer complètement leur classe. إذن تلاميذ مدرسة قرروا on décidé قرروا بأن ينظفوا on décidé de nettoyer complètement leur classe بأن ينظفوا كليا قسمهم complètement leur classe. Ils ont d'abord blanchi أولا قد قاموا بتبييض blanchi les murs. Ce travail les amuse هذا العمل يعني يمتعهم يسليهم. Ce travail les amuse. Alors, les murs étaient blanchis. الحيطان تم تبييضها. Les murs étaient blanchis. Le lendemain, يعني في الغد, des équipes furent constituées. Des équipes furent constituées. يعني فرق. Des équipes, يعني فرق. جمع فرقة. Une équipe furent constituées. يعني تم إنشاؤها. هنا لدينا la voix passive. في هذه الجملة les murs étaient blanchis. Les équipes furent constituées. C'est la voix passive. يعني الحيطان تم تبييضها. الفرق تم إنشاؤها. هنا لدينا été blanchi. Le verbe être à l'imparfait plus le participe passé blanchi. Des équipes furent constituées. Furent, c'est le verbe être au passé simple plus le participe passé du verbe constituer. Furent
constitué. بالنسبة لي لا voix passive هنا كدرس في القناة يشرح جيدا la voix passive et la voix active. Chaque groupe avait sa spécialité. إذا كل مجموعة كان لديها اختصاصها. Chaque groupe avait كان لديها le verbe avoir à l'imparfait avait sa spécialité كانت لديها أو كان لديها تخصصها. Je devins un personnage important. Je devins le verbe devenir au passé simple. إذن هنا دائما في يعني في القصص يعتمدون دائما زمن le passé simple يعني الماضي البسيط. Je devins أصبحت يعني شخصية مهمة un personnage important. Je fus nommé chef des frotteurs. Je fus nommé. هنا كذلك لدينا la voix passive. Je fus nommé. يعني تم تسميتي. Je fus nommé. Le verbe être au passé simple plus le participe passé nommé. Je fus nommé chef des frotteurs. يعني تم تسميتي برئيس يعني les frotteurs, المساحين الذين يمسحون. Les frotteurs. On procéda au lavage du sol. On procéda, يعني le verbe procéder, يعني شرعنا, يعني يشرع في عمل, يبدأ في عمل. On procéda, le verbe procéder au passé simple. On procéda au lavage du sol, في غسل, يعني الأرضية. Une vingtaine d'élèves, une vingtaine d'élèves, بمعنى عدد يقارب العشرين. Une vingtaine, يعني عدد يقارب العشرين. Une vingtaine d'élèves chargé des normes sont. Chargé, يعني مكلفين. Chargé des normes sont. يعني مكلفين بدلاء كبيرة. Les sont, le sont هو الدلو. Aller chercher de l'eau. يعني كانوا يذهبون للبحث عن الماء. أو لجلب الماء. Aller chercher de l'eau à une fontaine nafura. Une fontaine située à 50 pas de notre école. Nafura, يعني كانت توجد située à 50 pas de notre école. على بعد 50 خطوة. À 50 pas. 50 خطوة de notre école. يعني من مدرستنا. Le sol fut inondé. يعني الأرضية تم ملؤها بالماء على الآخر. Inondé, يعني نغمر شيئا بالماء. Le sol fut inondé. الأرضية تم غمرها بالماء. هنا كذلك لدينا la voix passive. Je pris très au sérieux mon travail. Je pris, c'est le verbe prendre au passé simple. Je pris très au sérieux. Mais maintenant, أخذت الأمر بجدية. Je prends au sérieux, يعني أخذ بجدية أمرًا. Je pris très au sérieux mon travail. عملي. Pour donner l'exemple, et pour donner l'exemple, ولكي أعطي المثل, je maniais avec énergie ma balayette. يعني لكي يكون هو المثل من بين زملائه, je maniais avec énergie. Je maniais, c'est le verbe manier, بمعنى يستعمل شيء باليد. Je maniais avec énergie ma balayette. يكنس بقوة, avec énergie. Avec énergie, بمعنى بكل طاقته. ما بلايت. La بلايت هي المكنسة الصغيرة. J'en avais mal au rein. يعني ألمتني, بمعنى ألمتني كليتي. J'en avais mal au rein. من ذلك العمل. De temps à autre, من وقت لآخر, je me redressais. Je me redressais. بمعنى أقف يعني يكون منحني على المكنسة ومن حين لآخر يقف بمعنى ينتصب. Je me redressais. Tout rouge, وهو أحمر, وجهه أحمر. Les muscles des bras, عضلات الذراع, les muscles des bras me faisaient mal. يعني كانت تؤلمني. Me faisait mal. Dans l'eau jusqu'aux chevilles, يعني في الماء حتى الكاحل, حتى الكاحلين, la cheville هو الكاحل, pieds nus,
القدمين حافيين بوسكولي par celui-ci. إذن هذه الكلمة ممسوحة هي celui-ci. بوسكولي par celui-ci يعني مدفوع من طرف هذا. انسولتي par celui-là يعني مشتوم من طرف ذاك. J'étais heureux يعني كل هذا هو حافي القدمين وداخل الماء يعني واحد يدفعه الآخر يشتمه وهو فرح. بوسكولي par celui-ci, انسولتي par celui-là, j'étais heureux. كان كنت فرحا رغم كل هذا. إذن هنا يحكي ماذا كان يدور بينهم. إيه tu m'as donné un coup de coude dans l'œil. يعني أنت لقد أعطيتني ضربة مرفق في عيني. Fais attention, انتبه. Tu m'as mouillé jusqu'à la ceinture. لقد بللتني. Tu m'as mouillé. بللتني يعني بالماء. Jusqu'à la ceinture. حتى يعني حتى الحزام. Regarde Driss. Il est tombé dans le seau. لقد وقع في الدلو. أحدهم يضحك. هاها. Il va se noyer. يعني سوف يغرق. Il va se noyer. Se noyer يعني يغرق. Frottez paresseux. يقول لهم يعني امسحوا يا كسالى. فروتي باريسو. يرد آخر باريسو توامام يعني أنت هو الكسول. notre coin الركن الخاص بنا notre coin est plus propre que le tien يعني أنظف est plus propre أنظف من ركنك que le tien. إذن le tien يعني هو ton coin يعني ركنك أنت. Avec des chiffons, يعني من شفات, nous essuyâmes partout. لقد جففنا كل الأرضية. Nous essuyâmes, c'est le verbe essuyer au passé simple. Le soir, في المساء, je revins à la maison mort de fatigue. Je revins, le verbe revenir au passé simple. Je revins à la maison. عدتُ إلى المنزل mort de fatigue ميت من التعب. Mais très fier de ma journée. لكن يعني فخور جدا بيومي. Devant mes parents أمام والدي je me vantais de mes multiples exploits. Je me vantais c'est le verbe se vanter يعني يتفاخر. Je me vantais يعني تفاخرت. Le verbe se vanter هنا au passé simple. Je me vantais de mes multiples exploits. تفخرت بي يعني إنجازاتي العديدة. L'exploit هو الإنجاز. إذن هنا يقول لوالديه sans moi aucun résultat sérieux n'aurait été obtenu. يعني بدوني لم تكن هناك يعني نتيجة جدية أو نتيجة يعني قوية. إذن aurait été c'est le verbe être au conditionnel passé plus le participe passé obtenu. Alors c'est une phrase à la voix passive. Mon père me félicita. والدي هنأني. Il dit à ma mère قال لأمي. Il dit هنا كذلك dire au passé simple. Il dit à ma mère que je devenais vraiment un homme. أني بدأت أصبح حقا رجلا. Je me mis au lit. يعني دخلت في فراشي. Je me mis. Le verbe se mettre. Au passé simple. Je me mis au lit. Pendant mon sommeil. يعني خلال نومي. Il m'arriva. حصل لي. Le verbe arriver au passé simple. Il m'arriva de m'asseoir dans mon lit. حصل لي أنني أجلس في فراشي. De hurler des ordres, يعني أصرخ بالأوامر, de distribuer des injures, يعني أقذف بالشتائم, de distribuer des injures, les injures هي الشتائم, يعني بدأ يتذكر ويحلم بما كان يفعله في القسم. Ma mère me recouchait, يعني أمي كانت تعيدني للنوم. Ma mère me recouchait. كانت تعيدني للنوم avec des gestes tendres يعني بحركات لطيفة.
des phrases affectueuses. Wabijou malin hanouna wa raqiqa. Des phrases affectueuses. إذا كانت هذه هي نهاية هذه القصة، هي قصة مليئة بالعبارات الجديدة وبالكلمات الجديدة. أظن أنكم قد تعلمتم عبارات وكلمات جديدة وكذلك بعض القواعد. لا تنسوا أن تدعمونا دائما بالضغط على زر لايك وكذلك تعاليق جميلة كالعادة أسفل الفيديو. وحظ موفق للجميع. Thank you.